l'importance de la cybersécurité dans l'ère du digital by Youssef Zaza. Donc je suis ici au plus gros événement JITEX Africa. C'est l'événement où est-ce que 35 000 personnes sont venues justement se rejoindre pour pouvoir faire du business, faire des connaissances par rapport en fait à tout ce qui a à voir avec l'ère digitale. C'est juste incroyable, je suis bluffé de voir toutes ces personnes, tout ce business qui est en train de se préparer. C'est juste incroyable. Donc je vais vous parler justement d'une solution qui s'appelle Nucléon Security. Cette solution, c'est une filiale qui est 100% africaine. Alors c'est un cloud qui est souverain, ce qui nous permet en fait d'avoir cette différence par rapport au reste du marché. Nous avons également un support local ici. C'est un made in Morocco, ici. Tout le support, il est local, ce qui nous permet justement d'être en contact avec le client. C'est ça qui fait vraiment notre force et de ce qui est vraiment différent. Et ensuite, nous avons également des partenaires locaux avec lesquels nous avons fait des partenariats pour être beaucoup plus près de notre clientèle. Voilà la différence qui est par rapport au reste du marché. Mais justement, restez avec moi jusqu'à la fin de cette présentation, parce que justement, après cette présentation, il va y avoir une interview avec la CFO de l'entreprise et je vais pouvoir la questionner, pouvoir lui présenter des choses pour que vous puissiez comprendre réellement, quelle est notre valeur ajoutée justement par rapport au reste du marché. Alors, quelques références que je veux vous partager, c'est, nous travaillons avec des grandes boîtes comme Gaumont, l'agence du digital, le Royaume du Maroc, effectivement, l'administration de la défense du Maroc et un de nos clients principaux. Nous avons énormément de clients qui sont étatales. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes le leader justement sur le marché de la cybersécurité, et ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter une solution non seulement qui est dans la sécurité, nous avons cette crédibilité, nous avons une crédibilité unique puisque nous travaillons avec les plus grandes entreprises étatales, ce qui fait que ça nous permet de nous positionner en tant que leader sur le marché. Et ce qui va nous permettre de sécuriser le client jusqu'au bout. Vos enjeux en termes de cybersécurité sont lesquels? Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est l'augmentation, du continu de cyberattaque. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de vraiment important. Le manque de professionnalisme, ça, c'est quelque chose de la cybersécurité que nous retrouvons à chaque fois quand nous faisons des audits aux nos clients. Et la complexité aujourd'hui des solutions. C'est-à-dire que toutes les solutions qui sont proposées sur le marché sont des solutions qui sont vraiment très compliquées. Il y a une pénurie de plus de 3 millions de professionnels dans la cybersécurité dans le monde. Une augmentation de 105% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, 89% des solutions disposent de commentaires négatifs sur le volet de l'utilisation. Selon nous, on a détecté après avoir fait une étude de marché que le marché de la cybercriminalité, est juste au début de la nouvelle ère digitale. Notre proposition de valeur, c'est quoi? La première chose, c'est que nous sommes vraiment focalisés sur trois principes fondamentaux. Le premier, c'est la prévention. La protection est contextuelle et centrée réellement sur votre organisation. La deuxième chose, c'est la détection, qui sont les prises de décision basées sur l'intelligence artificielle. Et la troisième chose, c'est la rémédiation. Donc ça, c'est la cyber-résilience en trois clics, ce qui nous permet d'avoir une solution rapide et efficace. Donc je m'appelle, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Youssef Zaza, je suis le premier arabe top speaker arabe international chez Success Resources avec Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Richard Branson. Je suis expert en neurosciences appliquées à la vente, au marketing et à la prise de parole en public. Donc, je vous parle un petit peu de mon background. Donc, j'ai déjà créé une quinzaine d'entreprises dans le monde entier, dans plusieurs secteurs d'activité. C'est donc plus de 12 millions d'euros de générés de ventes, dont plus de 42 000 ventes avec mes équipes commerciales, plus de 50 000 personnes impactées grâce à mes formations en contenu, conférences en ligne et présentielles, et plus de 1 million de leads générés dans l'industrie du tourisme en moins de 3 ans. Après avoir accompagné une entreprise belge à clôturer un contrat de vente de plus de 4,5 millions d'euros, qui sont 45 millions de dirhams, le journal Al Jazeera m'a reconnu comme le leader en termes d'expertise de la non-vente grâce à la méthode de coaching.
la présentation, c'est vous allez découvrir donc les 7 bénéfices de la cybersécurité pour votre entreprise. Pourquoi en fait vous devez utiliser en fait la solution de la cybersécurité. Ce que j'ai essayé, c'est de vous partager 7 secrets, 7 bénéfices pour vous essayer en fait prendre conscience de l'importance aujourd'hui de la cybersécurité. Ok, la première chose, d'accord, le premier bénéfice, c'est la protection des données sensibles. Aujourd'hui, en fait, toutes vos données sont sensibles. Hier, on parlait justement, voilà, l'un des clients avec lesquels nous travaillons, ce sont des médecins qui ont, voilà, des patients avec des dossiers qui sont hypersensibles, qui ne peuvent pas être partagés à n'importe qui. Ok, donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Et aujourd'hui, en fait, la cybersécurité nous permet de justement nous développer et d'être, en fait, à la pointe pour que protéger vos data. Toutes ces données qui sont sensibles par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez fait, toutes ces choses-là, tout cet environnement nous vous permet de, justement de rester en pleine tranquillité, que vos données soient sécurisées. Ok, la deuxième chose, en fait, le deuxième secret, d'accord, c'est le renforcement de la confiance de vos clients. Effectivement, le fait d'avoir tous ces systèmes qu'on va mettre en place dans votre entreprise, ça va vous permettre que vos clients puissent être renforcés, puissent avoir cette confiance qui va permettre d'augmenter, en fait, le chiffre d'affaires de votre entreprise. Puisque qui dit confiance, dit augmentation du chiffre d'affaires. Et si votre client, l'une des choses, des principes fondamentaux, d'accord, que vous avez dans l'entreprise, c'est de gagner, en fait, justement, cette confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de confiance, la personne ne va pas rester. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment prendre en considération. Ok. La troisième chose, c'est quoi? C'est la conformité réglementaire. La conformité réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, vous devez passer, d'accord, toutes les normes de sécurité font qu'on doit être à la page, on doit être conforme à qui on est, avec ce qu'on offre. Et c'est, vous devez être réglementé pour que justement, votre entreprise puisse devenir pérenne dans le futur. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir aujourd'hui, que toutes vos données doivent être, okay, doivent être considérées, doivent être mises dans un endroit sûr. Et en fait, aujourd'hui, il y a des normes que vous devez appliquer pour que vous puissiez justement rester à la page. Alors, le bénéfice numéro 4, c'est justement par rapport en fait à notre solution, vous allez avoir en fait une réduction du risque de perturbation des opérations commerciales. Youssef, qu'est-ce que ça veut dire perturbation, okay, des opérations commerciales? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le fait d'être, voilà, d'avoir tout le workflow en fait va être de sécuriser. Voilà, imaginez-vous, vous avez une attaque, d'accord, une cyberattaque, et tous vos clients, d'accord, tous les dossiers des clients en fait que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir travailler. Et hacker. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est là que justement, eh bien, vous allez pouvoir avoir un backup, parce que vous allez pouvoir récupérer justement toutes les datas donc de vos commerciaux, et vous allez pouvoir continuer à travailler indépendamment des circonstances d'une attaque ou quoi que ce soit. Et ça, c'est juste dingue. Moi, je me rappelle, on a eu un problème en fait dans un hôtel à laquelle j'étais directeur marketing. On a été hacké. Le système de réservation a été hacké. Et qu'est-ce que ça a fait? Et on a été hacké au mois de juillet. Imaginez-vous. C'est un truc de dingue. On a été hacké au mois de juillet. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, on n'a pas pu faire le système de réservation. On est passé à côté du système de réservation et on a perdu plus de 80% du chiffre d'affaires. Avec notre solution, aujourd'hui, ce genre de problématique n'existe plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, d'accord, dans votre business. La cinquième, d'accord, c'est la protection, okay, de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle, il y a des gens, d'accord, des business models qui sont en train de se baser par rapport en fait aux États-Unis, d'accord, pour que tu puisses justement, voilà, mettre en sécurité ce que tu as créé, que ce soit, d'accord, la propriété intellectuelle, que ce soit à travers des NFT par exemple, d'accord, dans la technologie blockchain. Aujourd'hui, tu as la propriété intellectuelle par rapport en fait à ta méthodologie de coaching comme la mienne. Ok, tout ça, ça évite justement que tu puisses être hacké et que tu puisses, avoir ces problématiques. En fait, tout ça, toutes ces problématiques qui sont aujourd'hui, ne sont plus, il n'y a plus besoin en fait d'avoir peur que tu puisses attaquer par rapport à ta propriété intellectuelle. Ok. La sixième chose en fait qui est vraiment importante que vous devez comprendre, d'accord, c'est la continuité des activités. C'est-à-dire que le fait d'avoir créé du système, tout ce qu'on va mettre en place dans votre business, ça va vous permettre justement, voilà, de continuer l'activité indépendamment des circonstances externes. Et le fait que vous faites ça indépendamment des circonstances externes, parce que le système va être tellement sécure, le système va être créé, d'accord, sur mesure, et vous allez avoir notre support qui va pouvoir être là avec vous 24 heures sur 24 pour pouvoir vous apporter justement cette tranquillité, cette paix, ce qui va vous permettre, d'accord, d'avoir cette fameuse continuité de votre activité. D'accord? Donc ça, c'est le numéro 7. Et la septième, d'accord, le septième bénéfice qui est vraiment très important, c'est l'économie financière.
faire, d'accord, l'économie financière à long terme qui va faire que, bah, effectivement, avec notre solution, ce sont des millions, des millions, des millions, des millions d'euros, dollars, dirhams, d'accord, qui vont être justement, qui vont être protégés parce que le fait de pouvoir avoir justement accès à ça, accès à cette notre solution, c'est justement le fait que, bah, comme je vous ai expliqué, la problématique qu'on a eue avec notre hôtel, d'accord, c'est que le fait qu'on s'est fait hacker notre système de réservation, ça a été donc des millions de personnes qui ont été qu'on n'a pas pu réserver, on a perdu le contrat avec, les réservations ne rentraient pas, d'accord, de booking.com ne rentraient pas des providers, et ça nous a on a fait une perte énorme en pleine saison, donc c'était juste vraiment quelque chose. Et le fait de mettre en place, en fait, notre sécurité, d'accord, notre système de cybersécurité, ça va vous permettre, bah, justement, voilà, bah, d'avoir sur du long terme, ok, d'avoir, bah, cette fameuse pérennité, cette fameuse économie financière sur le long terme. Voilà. J'espère que ça t'a pu t'apporter quelque chose, d'accord, cette présentation, ok, ses bénéfices. Libre à toi. Si tu as envie d'en savoir plus, nous sommes ici, justement, au centre de Jitex. Tu as toutes les informations de l'entreprise, d'accord, ok. Toutes les informations de l'entreprise, ok, sont justement juste en dessous de cette vidéo. Donc prends contact avec justement un de nos partenaires pour que tu puisses en savoir plus, et on sera vraiment amène ici pour t'apporter une valeur ajoutée, de te conseiller, de te faire une audit par rapport à ta cybersécurité et savoir si notre solution te convient ou pas. Allez, je te laisse, c'est Youssef Zaza ici en direct de Jitex.